sur Dragon Age. J'espère que vous allez bien. Je suis un peu en retard parce que toute une préparation à faire. Qu'est-ce que tu cherches, mon sabot? J'ai mis un chat ou pas? Il y a un chat dans tes chaussettes. Non, c'est vrai? C'était pas une blague? Il y a un chat dans tes chaussettes. Non, c'est pas une rime. Ça rime même pas. Par. Un chat, ouais, chaussette. Ah ouais, non, ouais. Non, même pas. C'est les rimes, c'est à la fin des mots, c'est pas au début. Non, c'est deux mousses. Non, il y a Mimi dans tes chaussettes. Pour ça, il y a un chat dans tes chaussettes. Bah oui, dans tes chaussettes, dans tes vraies chaussettes, dans ta boîte à chaussettes. N'importe quoi, toi. Allez, go! Alors, ciao. Bon, j'espère ne pas me perdre. Je fais des blagues. Je fais des blagues. Je fais vraiment des blagues parce qu'on sait très bien que je vais me perdre. C'est obligé. Je suis une pro de la perte. Je suis une professionnelle du je me perds. En toute occasion. Donc dire que on va essayer de pas se perdre est un doux euphémisme. J'ai froid. Hop. Let's go. Hop. J'adore cette musique. Mais j'y peux rien, j'adore cette musique. On me refera pas, hein. Allez, go sur du Dragon Age Inquisition pour se perdre à répétition. Au moins ça rime. Salut mon dragon, t'arrives pile poil quand je lance Dragon. Comme quoi, tu vois, il t'a appelé. Comment va mon dragon? Coucou Tortue! Ah bah non, tout le monde se... Coucou Nico! ben... Salut mon fils! J'ai mon fils qui me dit coucou, alors... Comment allez-vous? Je suis premier, m'en fous! Ouais, c'est ça. Dragon était le premier, il a gagné, nananer. Il y a Nico qui te dit salut fiston. T'es son père depuis quand? Nico, t'aurais pu me le dire, j'étais pas au courant. Bon les amis, hein, je vais me perdre. Hein. Il y a quelqu'un qui a emmené son GPS? Parce que quand même, je vous l'ai mis hein, sur l'annonce de live, il faut emmener le GPS. Hein. Il n'y a pas de... La vie est un mystère.
Si elle avait été à l'heure, j'aurais été là avant. Ouais, bah alors excuse-moi parce que en fait, je me suis à moitié endormie, en fait. Je me suis assoupie. Bah avant de lancer le live, je voulais préparer mon infusion parce que pour après pouvoir gérer, parce que comme j'ai pas mal de palpitations cardiaques ce soir, j'essaie de calmer un peu les choses. Donc voilà. La vie est un mystère. Ah Nicolas, toi, tu me feras toujours rire. Bon, on va se perdre. Je sais pas où on va. On va essayer d'aller là. Non, on a passé 2 heures, je crois, à essayer d'aller là la dernière fois. C'est la folie. C'est ça. C'est la folie qui nous guette. Mais sérieux, je vais me perdre encore. Je vois même pas où est-ce qu'il est, ce fichu point. Bah, arrêtez de vous bagarrer, les gars, sérieux. Ah, on sait que les mecs, vous aimez bien vous bagarrer pour comparer vos petits asticots de contrebande. Mais quand même, faut se calmer. Pas vrai d'abord. Pourquoi tu t'es senti visé, dragon? Déjà, tu devrais te poser cette question. Pourquoi tu t'es senti visé? Peut-être que c'est qu'il y a un fond de vérité et que tu ne l'assumes pas. Moi, je dis ça, je dis rien, hein, mais... Ah bon, tu dégages? Bon, bah d'accord. Mais oui, on est en avril, je sais, Nico. En même temps, Dragon n'assume pas grand-chose. comme les trois quarts des mecs, hein. Assumer ne fait pas partie de votre vocabulaire. Ça me trash en face, quoi. Et ouais, Dragon, t'as vu ça un peu? C'est plus possible, hein. Oh, mais je suis super loin en fait, sérieux. Mais je vais faire comment pour aller là, moi? Je suis choquée par ça, j'assume même la folie. T'as raison, c'est la meilleure. La folie, c'est ce qu'il y a de mieux à assumer. Par contre, le fait que je me perde, on l'assume ou on l'assume pas? Je vais me tuer. Oh! Ouais, elle était presque morte. Pas encore complètement. Pas encore complètement, mais presque. Le suicide était pas mal. Il était pas par là. Non, bah apparemment, non, fallait que ce soit plus profond. Un tout petit peu plus profond, je pense. Lu! Pourquoi Lu? Tu nous fais quoi? Tu nous fais quoi? Tu veux manger des petits Lu? Si tu as faim de petits Lu, écoute, dragon, on va t'en chercher.
Il a lu le règlement. Il a lu le règlement de quoi? Il a lu le règlement de quoi? Le règlement de la chaîne, il serait temps. On sait que t'es pas un rapide dragon, mais quand même, là, sur ce coup-là. Faut quand même pas exagérer. Dragon est long à la détente. Ah bah là c'est même plus long à la détente. Il est arrivé sur ma chaîne avant toi. Vrai. C'est quoi? C'est t'as perdu des lettres ou quoi? Parce que tu nous parles qu'en petits mots. Tu y a des soucis de clavier. Et surtout, je crois que dans la foulée, on a perdu Tortue en même temps. Parce que Tortue ne parle plus. Il sait pas faire de phrases. Ouais, apparemment, ouais, c'est ça. Il va finir par nous parler en anagramme, tu sais. Vrai. Ok. Tu fais copier-coller, c'est plus simple, hein? Faux! Mais je suis paumé, les mecs! Aidez-moi au lieu de jouer au vrai faux de Monsieur Dragon! J'ai mal à un doigt. L'info cruciale. Mais je sais pas, j'ai moitié. Ça fait plusieurs jours que j'ai moitié une crampe à un doigt. J'arrive pas à le faire passer. En même temps, c'est celui qui tient la gâchette de la manette. C'est peut-être pour ça en fait. C'était The Info. Ah ben attends, info cruciale. Info crucial. Je suis là, mais je me suis fait un café. T'as raison, moi je me suis fait une infusion avant de prendre le live. C'est pour ça que je suis en retard. Et comme tu l'as remarqué, j'étais en retard. Et comme tu l'as souligné, d'ailleurs. Mais je veux trouver le moyen de me casser d'ici, j'en ai marre. Comme d'habitude. Je suis pas tout le temps en retard, je te signale, Tortue, ça m'arrive aussi d'être en avance, déjà d'une. Et puis de deux, hein, on m'a dit sur Discord qu'il fallait que je prenne soin de moi, alors hein, j'ai le droit de faire mon infusion avant de commencer le live. De me perdre dans le jeu. Je suis encore littéralement perdue. Moi, je suis jamais en retard. Alors, hey, toi, t'es jamais en retard, mais tu fais jamais des trucs à l'heure non plus, hein. Quand on te demande de chanter, tu le fais 10 ans après, donc, hein. Je suis pas sûre que t'es la personne adéquate pour, pour répondre des choses. Après, je dis ça, je dis rien, hein, mais, je pense que. On est plusieurs à savoir que Monsieur Dragon, plus il repousse les choses, mieux il est. Donc, jamais en retard. Ah, il y a une porte là. Je vais peut-être me casser. Ah, bah, c'est là. Ah, purée, j'ai mal au cœur. Veux-tu recommencer ce magnifique jeu? Non.
Mais de toute façon, je sais pas pourquoi tu me menaces de recommencer le jeu depuis 10 ans, hein. J'ai pas à le recommencer. Où est ton idée de recommencer? Il est jamais, j'ai jamais de point de chaîne qui disent recommencer tout le jeu. Qu'est-ce que tu manges, toi, là-bas? Je t'ai entendu, je te signale. Ouais. Alors? Réinitialiser speedrun. Fais-moi recommencer mon speedrun. Ouais, mon speedrun, ouais. Je suis pas en train de speeder là, je suis en train de me paumer. C'est deux choses différentes. C'est pas un speedrun, je suis pas en train de courir pour fuir quelque chose. Je suis en train de me paumer. C'est pareil. Ah, elle peut pas aller jusque là-bas. Ah, mais sérieux? Mieux de revenir sur nos pas. Bah, tu vois, de toute façon, je vais le recommencer sans même tes points, tu vois. Dragon, Nicolas, vous avez quoi comme jeu en commun? Oh purée, l'interrogatoire quoi. Ah, tortue, toi au moins quand tu parles, c'est pour. Voilà quoi. Tortue, il parle pas beaucoup, mais quand il est là, il est concret, hein. Mon jeu. C'est mon jeu d'abord. Je suis fatiguée, lol. Ah mais je vois ça, hein. Je sais pas si t'es fatiguée, mais en tout cas, t'es concret là ce soir, hein. Ils ont rien demandé, tu les scène de questions. Et puis en plus, alors autant te dire que les questions, t'as intérêt d'y répondre apparemment. Pas le temps. Bah ouais, je vois ça. T'as un métro à prendre ou quoi? Normalement, t'es chauffeur de bus, hein, t'es pas chauffeur de train, hein. On se calme. Oh purée. Attends, il me couche. Alors, si je grimpe là. Grimpe là. Merci. Grimpe là. Grimpe là. Tu vas grimper, oui. Quand même, c'est pas trop tôt. Tortue! Tortue! Tortue répond plus. Ah Les si! nains sont pas censés avoir de la barbe ou au moins une moustache. Je compense ailleurs. Pas prétentieux du tout, Varix, ça encore! Non, c'était juste pour savoir si t'étais encore là, parce que tu parles plus. Alors, avant que tu assènes une question fatale, je voulais juste savoir si t'étais encore là. Dépêche-toi. Attends, c'était quoi ce délire? Bon, faudra que j'aille voir. Excusez-moi. En vrai, visage, ça fait pas trop peur, c'est juste le mec en béquille qui te frappe, mais t'inquiète. Ouais, ben non, mais tu le gardes ton jeu. Ton visage, hein, tu te le gardes, hein, j'ai le mien, ça me suffit, moi. Je suis peut-être folle, mais je suis pas maso, hein, t'inquiète, hein. Peut-être que là, je vais avoir trouvé mon chemin. Peut-être, oui, peut-être. Non, peut-être. Ah, peut-être. Ah, pourquoi pas?
t'aimes pas les jeux d'horreur. Ah non, moi, c'est pas du tout ma tasse de thé, les jeux d'horreur. Hein. Je fais Inside Mind parce qu'il n'est pas trop horreur. Genre, ah non, Phasmophobia, non mais tu rêves. Non ? Déjà, Dragon, tu peux me proposer 1 million de jeux, tant que le jeu n'est pas gratuit. Et que mes abonnés ne peuvent pas récupérer le jeu gratuitement pendant un certain temps, tu peux faire une croix sur ton jeu, tu vois ? C'est comme ça. Très bien, t'es level 800 dessus, mais c'est très bien. Je suis content pour toi. Tu es grand quelque part, c'est bien. Ah purée, si je continue par là, je vais peut-être pouvoir atteindre là. C'était petit ça. Non, j'ai dit qu'il était grand. Arrête de lui dire qu'il est petit. Franchement, Tortue, t'exagères. Je viens de le féliciter qu'il était grand et toi tu lui rappelles qu'il est petit. Et petit même dans sa tête. C'est pas grave, elle avait récupéré des points de vie. Non, je voulais essayer de voir si là-haut, en fait, il y avait une sortie, mais en fait, il n'y a pas de sortie là-haut. Hein. Pff, ils sont nuls. Tu penses vraiment pouvoir aller où tu veux par là? Oh bah écoute, on va dire que de toute façon, ça fait déjà 2 lives qu'on est coincé. Alors, un petit peu plus ou un petit peu moins, honnêtement, on n'est plus à ça près, hein. J'ai pas dit qu'il est petit. Non, mais nous, on le dit. Mais toi, tu l'as dit aussi, parce que tu as dit que c'était petit, ce que j'avais dit. Donc, tu lui redis qu'il est petit, or que je venais de lui dire qu'il était grand, enfin. Ah, purée, je peux pas passer par là. Non. Foutez-moi la paix. Je vais y aller quand même. Ah, c'est... Ouais, si tu veux. Oh zut, ça n'a pas marché. Ça m'aurait bien aidé. Si je le refais. Ah non, tu veux vraiment pas, hein. Sapristi. Satané jeu. C'est une route sans fin, c'est ça. Ah, carte du monde, youpi. On se casse. On va... Voilà. Non, ça c'est nul, ça. Coucou Elina! Ah, ça y est, Tortue et Elina sont réunis! Pardon. J'ai pas voulu dire ça.
Ouais, ça y est. Elle commence. Non, j'ai rien dit. C'est rien dit. J'ai ripé. C'est ripé. Mais Tortue, il est pas en forme, Elina, donc tu peux y aller. Enfin, non, enfin, oui. Prends-le comme tu veux, mais voilà, je te donne l'info. Comme d'habitude. Oui, j'ai trouvé par où passer. Enfin, je crois. Avant que je me retrouve coincée. Oh, que c'est beau ici, regardez cette cascade. Elle est magnifique, elle est translucide. T'inquiète, je suis gentille, moi, ce soir, pas la forme. Ah bah, dis donc. C'est quoi, vous deux, là? Bizarrement, mes deux modos ont pas la forme ce soir. C'est... Je sais pas, hein, mais... Peut-être de quoi se poser des questions. Translucide, c'est un nouveau mot. Non, translucide, ça existe. Après, translucide bafouillé comme je l'ai fait, je suis pas sûre. Mais, mais translucide, ça existe. C'est quelque chose qui est transparent. Va savoir ce qu'ils ont fait ensemble. Nico, méfie-toi, tu t'attaques au modo. Hein. Je suis pas sûre que ce soit une bonne idée de s'attaquer au modo. Hein. Après, après, te connaissant, tu assumes. Hein. Mais c'est quand même les modos. Seigneur. Ça y est, Elina est pris. On n'est pas arrivé. Méfie-toi, les poings me démangent. Oh non, je suis retombée dans la grotte du parrain. Non. Ouais, mais là, il y a la cascade, il y a les rochers, je peux pas passer. Donc, faut que je traverse la grotte du parrain, mais je peux pas. Il n'y a pas de sortie. Elles veulent pas me laisser sortir. Voilà, c'est bon, là, tout le monde. Je veux sortir. Je pense pas que tu voudrais savoir pourquoi je suis pas au top. Ah, mince. Tu me diras en privé, Malina? Après, si tu veux, hein, je te force en rien, ma chérie. Hein. Tu le sais bien. Mais... Dragon, coucou. Alors, Dragon, lui, qui débarque comme ça, d'un seul coup, comme une fleur. Coucou. Tu te prends pour un coucou. Mais il n'y a pas de sortie dans cette grotte. Comment tu veux que j'arrive à... Ah, ok. Vu, Elina, compris. Je parle en code. C'est, ça devient du live crypté. Tu penses, Tortue? Oh. Est-ce qu'un mec réellement connaît? Honnêtement. Je vais mourir là! Mais non, on va pas mourir! J'ai envie de dire vive les doliprane! Doliprane, non, ça marche pas!
Alors là, dragon, je crois que tu nous as passé ton... Alors, je suis un dragon sauvage. Ok, ah, comment tu fais ça? C'est trop drôle ça. Oupa, coucou. Tu penses tortue? Peut-être oui. Je vais mourir là. J'ai envie de dire vive les Doliprane. Ah, on m'avait dit que si. Lol. Non, non, tu n'es pas un petit dragon. Hé, hé, hey, hey, il a pas mis petit là, c'est toi qui viens de le dire, tortue. Tu t'es fait avoir. Tu lui as dit tout seul qu'il était une qu'il était petit, qu'il était une tortue. Oh là. Ouais, moi je défaille, ça y est, c'est mort. Bon. Oui, mon chat. Papouche. Alors, je sais pas vous, mais moi, j'arrive pas à avaler les cachets, je prends des trucs effervescents. J'ai eu beaucoup de mal à avaler les cachets. Non, en fait, je vais arrêter ma phrase là. Parce qu'après, on va encore... on va encore avoir des soucis. Donc, je vais arrêter ma phrase là, ça ira mieux. On en reparlera plus tard. Chacun ses secrets. C'est ça. Ouais, mais à force, c'est chaud, encore plus dégueu que les effervescents. Ouais, les effervescents, déjà, ça a un goût spécial dans l'eau, hein. Moi, je sais que les effervescents, ouais, ça a vraiment un goût spécial. Purée, mais je peux pas aller au point, là. C'est quand même pas possible, ça. À un moment donné, le jeu. Soit tu me trouves une solution. Mais j'arrive pas à avaler, je te dis. Ouais, mais j'ai compris. Ah non, c'était pas pour moi, c'était pour Tortue. Ouais, mais Tortue, il comprend rien, tu le sais bien. Ma pauvre Lina, on t'aide pas, hein. Mais sérieux, purée de spaghetti de crognonbeu. 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 Ah, c'est là-haut. C'est là-haut qu'il faut que j'aille. Crognonbeu. Je sais pas pourquoi ce crognonbeu s'est pointé dans le passage, mais voilà, ce crognonbeu. Ouais, ce soir, je ne contrôle rien. Débrouillez-vous avec ce que je... Non, j'allais dire autre chose, mais non, on va arrêter la phrase là aussi. J'essaie d'arrêter les phrases avant que ça parte en problème. Hautement diplomatique. J'ai compris ce qu'était votre problème, Dorian. Je n'en ai qu'un. Vous voyez un homme épuisé qui a quitté son peuple et laissé sa vie derrière lui. Et pourquoi? J'espère que vous ne comptez pas dire qu'on est semblables. L'image dans le miroir vous plaît? Plutôt pas mal, non? Je vais vomir. Lui aussi, ils veulent vomir. Eux aussi ils veulent vomir. Donc tu vois Elina, c'est bon, t'en as trouvé des copains qui veulent vomir. Prends du liquide. Non, hé, hey, tortue. Non, là, là, non, arrête, stop. On peut ban un modo. Je vais essayer de grimper là, mais il est tout petit, lui. Il va peut-être réussir. Vas-y, grimpe. Grimpe, Varric. Tu roules comme une barrique. Tu peux grimper. Oh, purée. Aïe. Varric s'est cassé la chose. Mais sérieux, c'est là-bas que je veux aller où il y a la petite lumière bleue là-bas et où il n'y a pas moyen d'y aller. Comment on fait? Sérieux? À part rage quitte le jeu et plus jamais en revenir. Ah, te casse pas la chose toi aussi. C'est quoi la chose?
la figure, la, les pattes, ce que tu veux, mais autre chose. Autre chose que ce que toi tu penses. Je te vois venir, hein. Arrête de poser des questions. Ah, oh, purée, j'en peux plus. D'accord, piouf. En même temps, ce soir, Tortue, il a des questions. Alors, autant vous dire que... Ça décoiffe ce soir. Je sais pas ce qui lui arrive, là, et son café, comment il l'a infusé, mais... À la seringue, ah, je comprends mieux. T'as fait en infusion directe. C'est surtout ce qu'il y a dans le café. Aussi, t'as raison, Nico, j'y ai pas pensé. Tortue, dis-nous tout. T'as fait comment ton café? On veut tout savoir. Café schnapps. Ah, oh, bah d'accord, laisse tomber le truc. Je reviens. Je vous laisse digérer le café. Oh là, attention. Alors, c'est quoi? Il y a du jungle dans son café. Je connais pas jungle. Ouais, je connais pas. C'est quoi ça?
Ah, tu connais pas ce nom-là? Non. Les personnes qui ont déjà vu Riverdale le savent. Je connais pas non plus. Jamais vu. C'est de la drogue qui te rend un peu fou, quoi. Ouais, ok, c'est des champignons hallucinogènes, quoi. Par contre, les amis, on fait quoi? Parce que honnêtement, j'ai. Mais je sais pas en fait, c'est quoi? Si, là, j'ai quand même la morsure. Ouais, déverrouiller la dernière porte, mais j'arrive pas à déverrouiller la dernière porte. Kata! Oui! Je suis trop vieux pour Riverdale! Lol! mais la série est trop bien, je sais pas du tout. Mais moi, voilà, tout ça, je prends pas de drogue, je bois pas d'alcool, je prends pas de cachet, alors ça suffit, quoi. Lâchez-moi. Je suis saine de corps et d'esprit. Le premier qui répond, je le banne. Voilà, alors dragon. J'avais prévenu. J'avais prévenu. Le premier qui répondait pas dans le bon sens, je le banne. Enfin. Libération. Non mais oh. T'as pas vu ce qu'il a mis? Vous, vous avez été gentil. Vous avez dit c'est naturel. Voilà. Et lui, il a mis j'ai beaucoup de mal à y croire. Ben qu'il assume. Alors, peut-être passer par là-bas, remarquez. On va persévérer, de toute façon, on a fait à peu près toutes les routes. Choisir le jeu à ma place. Plante versus zombie avec moi. Allez, go. Allez, go. Parce que de toute façon, je suis bloqué. Je crois que ce jeu, de toute façon, je vais l'arrêter. Hein, parce qu'au bout d'un moment, ça va 5 minutes. Ça fait plein de lives que je suis bloqué. Honnêtement, ouais, non, il est hyper long. Je sais même pas si on est à la moitié du jeu, si on est à un quart du jeu, j'en sais rien. Donc,
Tu vois, Tortue, tu utilises ces points de chaîne à bon escient, tu vois. Allez. Bah, de toute façon, c'est sur Origin aussi. Yes. Hop. Allez, go. T'inquiète, Nico, il va revenir dans pas longtemps. Dragon. Il avait qu'à pas dire qu'il en doutait. Non, mais vous avez été gentils.